Bonjour et bienvenue, on est reparti de Palworld. Donc j'ai pris Suzaku avec moi. C'est ce que j'utilise maintenant. C'est ce que j'utilise. Donc on a notre dragon qui est pur dragon. Et du coup j'ai pris aussi le fait qu'on puisse l'utiliser pour voler. Donc c'est sympa. Après Catres, donc elle est en ombre et feu. On a le Violet là. Il était pas mal. Honnêtement il est pas mal. Donc du coup on l'utilise. Suzaku, pur feu. Et il est haut niveau en plus. Donc on est honnêtement tranquille pendant un petit moment. Et après toujours notre Popotoko. Parce que c'est fun. On va plus utiliser notre Pétalia. Alors elle est bien, mais elle a os fragile. Os fragile, c'est quand même un peu catastrophique quand même. Parce que j'avais pas vraiment fait attention, mais quand même, de 350, elle passe à 280. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc c'est un peu bête. En théorie, il faudrait aller la farmer. Je sais plus où elle est. Je crois qu'on l'a eu de assez. Elle est là. Je pense qu'on peut aller la recombattre. On peut ou pas? Faut qu'on voit. Aussi, j'ai changé un peu ici. Donc maintenant, on a la chaîne de production. Donc ça, on peut produire un peu ce qu'on veut. Et du coup, on a le nouveau giga bouclier là. Donc je l'ai fait. Beaucoup de choses demandent des pièces d'anciennes civilisations. J'ai vu aussi mon armure, donc mon armure bleue là. Elle demande aussi des pièces d'anciennes civilisations pour être réparée. Donc ça, je suis pas trop certain qu'on va la garder, l'armure. Celle-là aussi, bien sûr. Donc ouais, je sais pas. Honnêtement, je pense que les choses se cassent trop vite. Je pense vraiment que les choses se cassent trop vite. On peut commencer à faire du polymère, tiens. On va faire des clous. Non, on va pas faire de clous parce qu'on n'a pas de métal. J'ai aussi mis les nouvelles fournaises. Donc les nouvelles fournaises, on peut faire des lingots en métal raffiné. Donc ça, c'est cool. Et j'ai remarqué un truc. Alors, j'ai fait une lance. Une lance en métal raffiné. J'ai fait ça. Pour vous montrer un peu la technologie. Donc j'ai fait ça. Et c'est à peu près tout. Et ça marche en fait. On peut détruire avec les armes en fait. On peut détruire ce qu'on veut. Genre le métal, le charbon, le bois et tout ça. Et en fait je pense que ce qui est important c'est tout simplement les dégâts. Le dégât. Si le dégât est élevé et tout ça, on peut complètement détruire les choses en fait. On n'a pas besoin d'avoir une pickaxe avec une hache et tout ça. On n'a pas besoin de faire ça, je vais vous montrer. Donc ouais, regardez, on récupère du métal à chaque fois. Et ça va relativement vite. Donc voilà. Alors après, bien sûr, ça irait plus vite si on avait la... que je vais dire constamment pickaxe. La pioche, voilà, le mot c'est la pioche. Ça irait plus vite si on avait la pioche raffinée, bien sûr, et pour le bois si on avait la hache raffinée, mais honnêtement avec la lance ça fait office d'arme et ça permet aussi de tout creuser, donc autant utiliser juste la lance quoi. C'est assez spécial d'avoir trouvé ça. Donc ouais, on va faire ça. Donc ça a l'air assez rapide. Suzaku, c'est sûrement Suzaku qui l'a fait. Il est niveau 3 en feu, donc du coup ça va très vite. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai des bols, donc c'est bon, on va faire ça. Je veux bien aller voir si on peut récupérer une nouvelle petite femme de la forêt. Là. Pour le raffiner, il faut du charbon et du métal. Donc honnêtement, notre camp du coup est parfait. Parce qu'on a du charbon et du métal. Et le charbon, on en a à peu près... Voilà. On en a à peu près 2000 et quelques. Parce que oui, depuis le début, on en récupère. Et on l'utilise pas. Donc, ouais, du coup, on en a beaucoup.
On va sortir celui-là. Le pur dragon. Très bien. Ouais, elles font pas exactement la même chose, ces tornades. Très bien. Donc je peux rejouer. Ouais, en fait c'est comme ça qu'il faut faire quoi. Faut farmer tout simplement. Du feu, fais voir si ça coule. Parce qu'elle est vraiment bien, je trouve. Pourquoi ça fait un effet chelou quand je. Ça fait un effet. Ça faisait pas ça avant, si. C'est marrant, là, des attaques de glace. Moi, j'en ai pas eu des attaques. Ok, encore un peu. Je crois que Suzaku réagit bien. Comparé à l'autre qu'on avait. Ouais, je dirais que Suzaku réagit mieux. Il fait pas de pause en fait, parce que vous avez vu, il tournait en rond, il faisait rien l'autre. Donc il y avait un problème. Enfin c'est bon. Il y avait vraiment un problème. Waouh, os fragile encore. Bon, après, ces trucs-là, c'est facile à farmer, du coup, parce que... Enfin, quoi qu'il faut attendre à chaque fois une heure, quand même. Enfin, bref. Alors, là, on a ça. On a un Suzaku, là-bas. Je voudrais bien le prendre, mais 45, c'est un peu trop. Là, on a quoi? Genre un truc qui serait encore dans les 30, à peu près. 38, ça va être chaud. Techniquement, on peut tester. Elle, je sais pas. Elle doit être là que pendant la journée. Bah tiens, on va voir si c'est vrai. Ce que je dis. Il est assez marrant. C'est sûr que c'est pas... comment dire? C'est pas le truc terrifiant. J'avoue que quand on vous voit arriver sur un gros truc comme ça qui a l'air gentil comme un cœur, c'est pas le truc le plus terrifiant au monde, je suis d'accord. Mais bon, c'est sympa. Alors du coup, elle serait le haut de ça. Sérieux là? Ok. Les tornades, elles sont buggées. Hein. Le problème, c'est que c'est que ces tornades à lui. Hein. C'est un problème. Genre, est-ce qu'elles vont marcher? Non, buggées encore. Je sens qu'on va devoir changer ses armes. Mais par contre, ça marche bien. Lui, il est super réactif, ok. Bon,
Par contre, pourquoi on a ça? Est-ce que c'est parce que... Peut-être utiliser comme monture volée l'attaque de feu renforcée lorsqu'il est monté. Alors, la tornade, elle est trop aléatoire. Elle est trop aléatoire. Donc on va l'ouragan mystique, on va l'enlever pour le moment. On va lui mettre du feu. Ah, c'est un peu bête, hein, mais c'est trop... Putain, pourtant, les ouragans, la plupart du temps, c'est les meilleures attaques. Genre en niveau d'AOE. Par contre, je me demande si on va avoir un problème ou pas. C'est par rapport à l'eau. Genre, est-ce qu'on peut voler au-dessus de l'eau avec lui ou pas? Faire un changement sur ses attaques. C'est vu que si je combats avec lui, on va mettre ça et le souffle. Bon, elle est pas là. Hein. On va se casser. Putain, prends. Ouh, ça on va le prendre. Donc ouais, on le prend parce que bah, il est quand même au niveau et tout ça. Puis boss. T'es sérieux? Ah mais du coup... Ah peut-être que les océans sont pas très profonds et il peut marcher. Peut-être, je sais pas. Bon, on se casse. Du coup, on se casse là-bas. Hop là. C'est où je passe? Barrette à plume. On avait dit qu'on voulait tester lui. C'est parti. Il y a des pingouins ici. Je sais pas si on a la barrette à plume déjà. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse les boss en fait. Genre toutes les heures. Il faudrait les faire parce que c'est que ces trucs là qui donnent les pièces antiques. Donc techniquement c'est pas compliqué à avoir. Faut juste farmer. Lol. Faut farmer mais bon c'est pas le truc le plus compliqué à avoir. Ouh, y'a quoi là-bas? On dirait que... C'est un boss hein. Ah non c'est un arbre qui donne des CT. Ah putain, il y a plein de trucs partout à récupérer. Allez, viens. Comment on peut l'appeler? Quoi le nom du dragon orange là? J'ai cru que c'était le pâle. Avec les cornes là, en bleu. Ça aussi, j'imagine que ça réapparaît au bout d'un moment et c'est complètement aléatoire. Donc
c'est vrai que... Ok, très bien. Il y a un coffre là-bas. Bon, on va faire la créature, hein, parce que j'ai pas... C'est en plus notre camp, il est tout à côté. Donc ça me donne juste envie d'y aller. Alors, il est où? Il est là. Oh, il dort. On pourrait... Alors attends, toi t'es terre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais voir. Wow, ok, c'était nul. Ça marche. Je vais voir si on fait... Toi. Le mieux non, ce serait... Parce que non, t'es pas de terre, t'es forêt. Donc à la limite... Au-dessus de la tête. Ouh! Ah, fait chier, il a bougé. Ça va. On n'a pas besoin d'aller trop fort avec les attaques. Il est bien, Suzaku, hein. Il réagit méga bien. Il est méga vite. C'est, honnêtement, il est très très bon. Encore une fois, hein, je le répète. Hein. C'est surtout basé sur l'IA. Ouais, c'est grave basé sur l'IA. Tu as fait ton attaque? Et encore une attaque. C'est bon. 4%, ok. On va passer au rouge. J'aurais dû taper un peu avec la lance. Et maintenant c'est un peu chaud. En fait. J'ai une chance de le tuer en fait. Ah, les rouges, c'est dur à faire. Pleurer. Tiens, les trucs ils se tapent les uns les autres. Oh putain. Non. C'est... Les roues c'est quoi? C'est avec le ciment. Ouais, c'est avec le ciment. Yes. Frugal.
C'était pas mal cher, hein. C'était pas mal cher. Je vais pas aller à ma base parce que sinon on risque de se faire attaquer. Oh, des trucs. Ah putain. Faut pas que je pense à tout le ciment et le métal qui vient de partir. Faut pas que je pense à ça. On peut aller voir ses stats, je suis curieux. Alors, peut-être utiliser comme monture pour se déplacer, le bois et le minerai se brisent plus facilement à ce que vous êtes. J'ai pas de truc terre par contre. Extraction et abat... Oh, il a les deux! Ouh, ça doit être un des rares qui a les deux. On peut voir un peu ce qu'on peut mettre. Lance de boue collante, impact terrestre, ça c'est la grosse attaque. Mitraille de graines non, torne adverse, c'est bien. Accumule une grande quantité d'énergie pour former un tir d'une énorme boule. C'est vrai que ça fait mal ça. Une sorte d'attaque lumière en fait. Enfin, ça me rappelle Pokémon. Pas de ciel à os fragile. T'es pas un peu gros en fait pour te déplacer ici? Alors si je fais ça, je vais faire quoi? Flamme spirituelle à prise. Comment ça t'as appris? Qui a pris flamme spirituelle? C'était un bug ou... Parce que j'ai cru que c'était lui, mais... Il n'y a pas flamme spirituelle. Non, je crois que c'est un bug. Bon, fais voir si tu fonctionnes, gros énorme truc là. Il est où? Ouais, d'accord, super. Mon dieu. Oh, le machin, quoi. Après, j'avoue, d'avoir des trucs comme ça dans le groupe, c'est pas mal, hein. On va voir. Moi, on va un peu analyser ce qu'il fait. Allez, go. Suivant. Est-ce qu'il y a des trucs encore qu'on pourrait prendre? C'est bizarre qu'il n'y ait rien, là. 40, ça va être chaud, 40. On va s'y prendre à je sais pas combien de fois. 4S aussi, c'est un combat de boss ou pas? Bon, on va peut-être faire un peu des combats comme ça où il faut attraper des trucs dans des duels. Ça peut être pas mal. C'est un peu le meilleur moyen de... de pouvoir augmenter les choses en fait. Ce 4S, nous on l'utilise. Je l'aime beaucoup. De dégâts.
Ça, elle est pas très dure en plus à capturer. Ouais, ça vaut le coup. Après, je crois qu'il faut les accoupler et tout ça. Je crois que c'est la meilleure solution, c'est de les accoupler. Ça, il faut un ranch. J'ai toujours pas... J'ai pas testé ça, par contre. J'avoue que... Ça, il va falloir que je prenne du temps pour voir. Y affecter un pâle mâle et femelle fera apparaître un œuf. Un gâteau doit être ajouté pour se faire. Ah oui, il faut créer un gâteau. Je crois. Apparemment, c'est haut niveau ou je sais pas trop quoi. C'est compliqué à faire, en fait, un gâteau. C'est long à faire. Et ou alors, on peut le dropper, je crois, de quelque chose. Ah, attendez, je crois que je sais. Gâteau. Ouais, c'est ce que je pensais. Vous avez vu? 69 et c'est un truc d'amour en gros. Cours toujours après quelqu'un à la recherche d'une amourette. S'il ne s'intéressait au départ qu'au pâle, il a récemment étendu ses mains démoniaques aux humains. Ok, c'est un peu bizarre quand même. Hein. C'est un peu bizarre quand même ce truc. Ouais, faut que je prenne le temps de faire ça. On a récupéré des pièces. Ouais, j'ai pas fait trop attention. Bon, bah ça va, on va pouvoir réparer nos armures, on va dire. Par contre, il n'y a pas vraiment de différence si c'est un duel ou pas. J'ai envie de tester lui, mais je pense que j'ai pas assez de... On va aller là-bas, tiens. Je pense que j'ai pas assez de boules. Je préférais avoir une cinquantaine de rouges, au moins. Pour faire un gros. Là-bas. Il y a un œuf. Ça fait pas super mal quand même. Enfin, on va dire que c'est pas... Tiens. Ça va. Parfait. Eh oh. Ah putain. Oh, la touche F, elle marche plus. Attends, comment je l'avais débloqué ça? Attends. Ok, c'est bon. Où est-ce qu'on va là? Ouais, on est bon. Plein de chevaux. Braconnier. C'est bien parce que lui, il me rattrape quand je plane. J'ai remarqué. Donc j'avoue qu'il est pas mal pour ça. Je sais pas, je le trouve ok. Ah tiens, il y a un bras chéri. Ah, il peut pas mourir?
sérieux le Pokémon là? Casse-toi. Ah, il peut pas mourir. Intéressant. C'est pas des Pokémon, c'est des pales. Vous avez du poufre ici? Bravo, dragon, bravo. Tu es pas si mal. Oh, c'est quoi ça? Mais non. On a une grotte. Pas vraiment intéressant. On a des Arsox. M'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Ah. Ok, un mammouth niveau 34. Ça c'est un normal par contre. Ça c'est un normal. Je dis pas non pour le pendre. Du coup... Je dis pas non pour le prendre, parce que si vraiment on peut... Ils peuvent genre taper... ils peuvent casser des rochers et taper des arbres, honnêtement, c'est intéressant. Je veux bien. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Oh! On a encore... Oh la vache. Oh, il y a une tour là-haut. Putain, mais... J'avoue, hein, j'avoue que le monde, il est super fun à parcourir. Parce qu'on est d'accord que les jeux Pokémon, c'est pas comme ça. Hein. On est d'accord que c'est pas aussi grand et tout aussi. Putain. Après moi, ça fait... C'est quoi ça là-bas? Il y a un truc. C'est un 9, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas joué un jeu Pokémon. Mais c'est vrai que c'est un peu incroyable. Hein. Genre, où est-ce qu'elles sont les limites? C'est fou quand même. C'est un 9, ça. Alors, fais voir. Ah non, c'est une statue. Là-bas, c'est un œuf, par contre. Là-bas, c'est une statue aussi. Ouais, mais ça, c'est un œuf normal, je pense. Quoi ce bruit? Un volcan? Et ramène-toi. Après, je vais être honnête, peut-être que lui, il va jarter quand on pourra utiliser Suzaku, là. En tant que monture, j'avoue. C'est juste que pour l'instant, il est sympa. Après, il nous faudrait... Ah non, il nous faudrait la variante... la boss. Du coup, c'est 45. Donc, bon, on a encore le temps. Ok.
J'espère qu'il fait pas trop chaud. On va aller voir la structure. Oh, c'est quoi ça? Reptiro. Oh, c'est stylé. Je voudrais bien avoir une sorte de jumelle qui peut analyser les pales, pardon, qu'on n'a pas encore capturé. Mais bon, après, dans un sens, on voit directement ce que c'est, mais je sais pas. Enfin, quoi que non, on se servira à rien au final. Oh mon dieu. Bon, pas la plante. Mais dis-moi, tu fais super mal. Le volcan noir. Merde, c'est un arbre. Putain, 7%, quoi, la vache. Oh, on va s'amuser. Bon, 20, c'est un peu mieux. Allez, 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 allez. Yes. Appliqué. Du sang similaire du magma coule dans ses veines. Il doit être niveau 3, je pense, en feu. Il doit être... Oh putain, on a chaud. Non. Il souffre. C'est quoi ces trucs? Tirin. Ah bah c'est le... Par contre c'est quoi qui est bien contre les feux? L'eau? Je sais pas, l'eau. Yes. Non mais par contre on va avoir un problème pour notre ville. Ok, ça y est, on a plus chaud. Oh yes, téléporteur, j'avais pas vu. Parfait. On peut changer d'armure. Je vais voir si elle se casse la mienne. Ah non, ça va. On peut changer d'armure parce qu'on en avait fait une qui réfrigérait, je crois. Coffre, statue et tout plein de trucs tout le temps. Oh. Nickel. Bah c'est pas mal. Pas mal cet endroit là. Toutes ses forces. Alors attends, on a eu ça, électricité 2. Feu 3. Ça a l'air pas mal ce truc, même en combat. Feu 3, extraction. Vitesse de travail augmentée. Oh putain, il faut le mettre. Là on a feu 2. Ça sera pour plus tard. Du coup non, l'autre on l'a tué. J'avoue que j'aimerais bien même le
l'utiliser pour combattre. Peut-être utiliser comme monture pour se déplacer. Minerai se brise plus facilement lorsqu'il est monté. On a quoi comme attaque? Tir enflammé, explosion rocailleuse. Projet de multitude de pierres vers l'avant. Canon de pierre, ça c'est le gros rocher là qui se lance. Souffle enflammé, c'est bien. Éclat volcanique. Compétence exclusive à Reptiro. Lève ses pattes avant et les fait s'écraser sur le sol pour provoquer une éruption dans la zone où l'ennemi se trouve. Ça fait pleuvoir des bombes volcaniques tout autour. C'est honnêtement pas mal. Ces trucs là, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Toi t'es bloqué. C'est bon ça. Ah quoi que si, attends. Mais je crois qu'il est bloqué. Ouais, mais non, on peut pas l'utiliser sur un terrain comme ça. Par contre, je veux bien voir l'autre là. Je vais voir s'il va se débloquer. Ouais, non, c'est mort. Non, on peut pas. Ça serait bien, mais il faut faut du plat. Faut complètement du plat en fait. Toi, tu vas aider. Ouais, il est où le machin là? Attends, bon, on va faire ça. Ok, je vais voir un peu comment tu. 42. Ok, tu fais juste que taper. Eux aussi, vous êtes niveau 3 hein, pour l'extraction. C'est pas mal. Il nous faut l'équipement anti-feu. Ah oui, j'ai fait une étagère aussi. Regardez, il y a des stickers dessus, c'est marrant. Enfin, pas une étagère, une casier, pardon. Alors, armée en métal réfrigérante. C'est ça, hein. Ah, c'est ça. On va déposer ce qu'on a. Très bien. Ça c'est de l'argent. Ah oui, on a eu ça. Barrette à plume. Oh, j'ai un truc qui est super loin. Genre on avait lu tout à l'heure. Mais oui, parce qu'on était allé, vous savez, au niveau 40 plus là. Genre ici là, le sentier de la mort là. Et on ne devrait pas y être du tout en fait. Mais on l'a fait. C'est pas l'homme de métal. C'est palaminium. C'est les derniers types d'armure ça. Les palaminium. Donc ouais. Voilà. Du coup ouais, c'est juste les trucs. Ça pèse 5 ça? Dommage. Excusez-moi, on va faire un peu de truc. Parce que ça bouffe hein, quand même, hein, c'est machin. Faut pas croire. Hein. Je sais pas trop comment améliorer la nourriture. Je voudrais bien faire des autres recettes. Mais je crois que en fait les autres recettes c'est de la nourriture, c'est de la viande. Ouais. Donc du coup bah voilà quoi. Ah oui, je voulais regarder aussi la technologie avec le nouveau là. Est-ce qu'elle est... Ah, yes, elle est là. Pour monter Reptiro. Ouais, ça peut être pas mal. Donc on pourrait le monter déjà. Je dirais pas non. On va faire ça. On va réparer. Très bien. Oh mon dieu. Mais c'est qui fait... le feu comme ça aussi rapidement, c'est abusé non? Je sais pas. Bon après j'ai mis, j'ai des trucs qui... Ouais non c'est lui, c'est le niveau 2.
Alors, on y retourne. J'aime bien ce côté-là, là, c'est pas mal. Le volcan, là, c'est cool. Attends, c'est bien la réfrigérante qu'on a. Anti-chaleur niveau 2. Ouais, c'est bon. Oh! Ah, il y a des oiseaux de haut niveau. Des Vixen. Les Vixen sont pas mal pour le camp. Je dirais pas non pour en capturer un autre. Par contre, j'ai pas vraiment... quelqu'un de puissant en fait contre ça. Il me faudrait de l'eau. Il me faudrait de l'eau. J'ai pas eau sur moi. Je sais pas si quelqu'un peut faire de l'eau. Je crois que la sorcière elle a une bulle d'eau ou un truc comme ça. Ça va galérer pour l'attraper. Il me faudrait plus de camps avec du métal partout. Allez, s'il te plaît. Je voudrais avancer. Oh, putain. Yes. Avec une verte en plus. C'est quoi ça? Ah, c'est du métal. Flambelle. C'est quoi ces trucs? Blaze Owl Nocte. Putain, c'est super stylé. C'est quoi? Feu et ténèbres. Feu et ténèbres. On peut faire ça. C'est méga stylé. Bien sûr, c'est à ce moment-là que j'ai plus de sang dans mes caisses. Une sorte de dragon. Non, pas non, de lion. Chimère en fait. Ça doit être unique à lui. Il est super beau. Les effets ils sont super stylés. J'imagine qu'on peut le monter. Eh, hey, tu me coûtes du ciment, machin, là. Il y en a un autre là-bas. Coffre aussi. Yes. Acharné. Acharné, c'est... Je me rappelle plus si acharné c'est pour le camp ou le combat. Je sais plus. Faut que je branche mon casque une seconde.
On va essayer de récupérer l'huile. Hein. Encore. Je veux bien en avoir un pour le combat. Qu'est-ce qu'on va prendre encore? C'est un peu con parce qu'on utilise Suzaku parce qu'il est feu, donc il résiste. Ouh, la vache. Mais c'est un peu pour ça, mais ça veut pas dire qu'il est puissant contre le feu, c'est juste qu'il résiste, quoi. Il est au niveau. Plan d'armure en métal. Ah mais c'est du gars. Yes. Grimoire est brave. Grimoire, je crois que c'est les attaques ténèbres. J'allais dire, peut-être que maintenant le lance-grenade il est moins efficace. Non, ça va. Ça te va quoi. Ouh la vache. Yes. Pyrine nocturne. Putain, c'est bien le ici le la nuit. Putain, c'est stylé. Ok, stop. On est quoi, 6%? C'est très très bien ici, c'est très cool. Ça là-bas. Ah mais c'est des Wixen. Putain, je commence à connaître les noms et tout, donc on s'abusait. Je crois qu'on va commencer à faire que des rouges. Parce que les pourcentages ils commencent à être quand même vachement bas hein, pour le reste. Et puis même les rouges c'est pas le top. Hein. Yes. Okay. Vulnérable au coup, super. Où est-ce qu'on va là? Ah ça doit être un boss. Ah mais là j'ai pas du tout là. Mais j'ai pas assez de trucs là. Blazamut, il est sur la carte. Ouais. Waouh, c'est quoi ce machin? 49. Ok. Ça va, c'est... Ok. C'est là, quoi. C'est là. Oh mon dieu, le changement de lumière, par contre. Il va falloir vous améliorer hein, pour l'éclairage. Hein. Putain, on dirait la fin du monde. Il y a un coffre. Donc ça veut dire du coup qu'on peut monter. Oh mon dieu. What? Oh. Je vois rien du tout.
route. Je vois rien. L'éclairage, il peut redevenir... Ouh la vache. Il peut redevenir normal, là, parce que... Il y a des reptiles. Qu'est-ce qui se passe? T'es sérieux? J'étais trop proche. Oui, il y a un problème avec l'éclairage par contre. Il y a grave un problème avec l'éclairage. C'est quand on est sorti et rentré du... Putain, on a failli crever, quoi. Ah, non! Oh. What? What? Non. Attends, il me faut un oiseau déjà. Il est où l'oiseau qu'on utilisait, bordel? L'ancien là, c'est ça. Attends, putain, il me faut une armure en plus. Oh, oh là là. Mais non. Je peux prendre une... Attends, j'ai peut-être une fourrure anti... anti-chaleur. Chauffante, métal, anti-froid. Oh yo yo, oh putain, je crois que c'est buggé. Je crois que c'est buggé l'endroit, parce que je vois pas pourquoi on s'est pris des dégâts en fait. Ah la vache, je peux pas débloquer en plus. On va prendre une fourrure. Ah putain, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. J'espère que ça a marché. Parce que j'ai quand même beaucoup d'équipement. J'ai l'impression que lui, il a plus d'endurance en plus aussi. Là-bas. Ok, bon, déjà on est bon pour la chaleur. Pitié que je puisse récupérer mes trucs. Je vais pleurer si je peux pas. Je crois qu'en mode difficile, vous avez les...
Les pales qui tombent aussi. Oh, je crois que c'est... Je crois que c'est sur la montagne. Allez, monte. Je crois que c'est juste sur la montagne. Oh, merci. Yes. Oh oui. Oh là là. Oh, que oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était chaud. Bon, on n'y va pas là. Bon, on va rentrer. Putain, oh, comment j'ai eu peur. Bah, honnêtement, j'étais même limite à vouloir genre Alt F4 quoi. Parce que le jeu en fait sauvegarde automatiquement. Et quand vous quittez le jeu normalement du coup, il sauvegarde aussi automatiquement. Et du coup, vous pouvez pas recharger votre partie quoi, si jamais il y a un problème comme ça. J'ai l'impression que je peux rester en hauteur beaucoup plus avec lui quand même. Faut que je regarde. Je sais pas comment ça marche leur endurance. Je peux combattre ici sans brûler. Ok. Oh putain. Oh, je suis content. Oh mon Dieu. Comment je suis content. Vous imaginez même pas la peur que j'ai eue. Ça, on le rangera. Je crois que la résistance en a pris un coup par contre, non? Non. Je sais pas en fait si on perd pas de la résistance. Alors pourquoi l'autre il aurait plus d'endurance en fait? Genre degré de satiété, stabilité mentale. 400. As-tu déjà un cas de famine, restaure en mangeant. Vitesse de travail, défense. Non, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment d'explication. C'est peut-être juste un... Genre un effet que ça fait, mais en fait c'est pas vrai, peut-être. Bon, on va récupérer ça et on s'en va. Yeah. Non, merde. J'ai franchement pas envie d'aller sur ce terrain-là. Là. J'ai un peu peur. Non. Le tir de trop. Pas grave. Yay, une terrasse verte. Faut qu'on aille vérifier ce qu'on a récupéré aussi. Les trucs nocturnes là. Qui étaient super stylés. Toi on va te prendre. Lui, j'en utilise deux moi dans mon camp. Très très bon. Très très bon en feu. Et ils peuvent aussi aider au camp, genre putain,
travail manuel, je crois. Je les trouve vraiment cool. C'est bon. Coffre. Allez, ramène-toi. Très silencieux maintenant, quand il n'y a pas le vrombissement du volcan. Alors, Blazamut, quoi. Alors, on va devoir faire plein de boules. Alors, fais voir un peu, fais-moi rêver. Donc ça, les Pyrines qu'on a vues, attaque joueur sont lorsqu'il est monté, ok. Attaque de feu, abattage feu. On a eu ça. Mon dieu, c'est quoi ce truc? Acharné, diminue plus lentement. Ouais, c'est pour le camp du coup. Alors, peut-être utiliser comme monture pour se déplacer, combattant à ses côtés, le nombre d'objets obtenus, si les pales de type non élémentaire est vaincu. Donc il fait de l'abattage et du feu fois niveau 3. C'est pas mal. Inferno. Imprègne le sol environnement pour se faire exploser après un certain temps. Inferno, ça a l'air très très puissant. Ok, pas mal. Abattage et feu. Après on a celui-là. Ténèbres et attaque plus 10. Éclat volcanique. Ah voilà, c'est exclusif, ouais. Lève ses pattes avant. Oui, maintenant ça on l'avait lu, pardon. On peut aussi le monter. Là on en a un autre. Ils ont les mêmes attaques que lui qui a acharné. On a un cheval nocturne aussi. Pas mal. Et on a Vixen. Je vais être honnête, il y a des trucs comme ça, parce que si c'est du ténèbre et tout ça, on pourrait se faire des équipes ténèbres. J'y ai pensé à ça. J'ai pensé aussi à utiliser genre les Dazil. Genre juste en avoir une dans notre équipe. Et avec avec le collier, elle pourrait combattre en fait avec nous. Mais du coup je crois qu'on peut pas du tout l'enlever en fait. Genre quand elle combat. Donc c'est peut-être un problème. Putain, ça c'est cool, il défonce tout le... Ouais, il est vraiment bien, lui. Je pense que lui est mieux. Eux, j'ai l'impression qu'ils tournent pendant des heures pour pas grand-chose. Je pense que eux, c'est bien pour la pierre, pour les scieries, en fait. Je dirais. Faut que j'aille en récupérer. Enfin bref. On va s'arrêter là. Ben, on a eu une grosse peur. On a eu une très grosse peur, mais au final, ça s'est bien passé. Non, ça va. Donc, tout s'est bien passé. Très bien, très bien. On a le pain aussi à mettre. Il y a l'établi à... Établi, il faudrait peut-être que je l'enlève, parce que j'ai remarqué que les pales se bloquaient un peu ici. Ou des fois ils veulent, voilà, elle veut, je sais pas aller où.
Mais ce qui est bien, c'est qu'ils quand même ils arrivent à mettre les choses dans les coffres, même s'ils se bloquent. Alors, genre là, je sais pas où elle met, je crois qu'elle doit le mettre là-dedans. Peut-être, le charbon. Il faudrait peut-être un coffre en fait à côté. Je vois pas pourquoi elle va pas à ce coffre là. Pas quoi que, peut-être qu'il faut un coffre. J'en sais rien. Des fois, je sais pas trop ce qu'ils font. Ça sera peut-être mieux. Ouais, parce que des fois ils essayent de mettre les choses, je sais pas trop où. Faudrait mettre des coffres en fait partout, honnêtement. Tu peux voir. Ouais. Ouais, à chaque fois qu'il y a un gisement, faut mettre un coffre. Simplement. J'ai essayé de faire ça, mais j'ai essayé de les bien les placer, mais au final, faut en mettre un peu partout. Dès qu'il y a un. Il y a un trou où on met un coffre quoi. Genre là par exemple. Enfin bref, on va s'arrêter. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai eu une belle frousse. Je vais essayer de changer encore ma liste de. Ma liste de pales. Voir ce qu'on peut faire. Parce que c'est vrai qu'il manque un peu d'eau. Si on fait des trucs du feu, c'est vrai qu'il manque grave de l'eau. Donc c'est un peu un problème. Je vais voir si on peut pas utiliser les nouveaux aussi. Juste une dernière chose, on va vérifier la technologie, si on a débloqué. Ah, tiens. Ça c'est le Dark Pyrin, ça c'est le cheval. Donc on peut monter dessus. Ça on peut monter dessus aussi. Ouais, l'autre il avait l'air un peu trop badass en fait, donc je pense que c'est plus tard. Ouais, c'est prochain niveau. Et il peut voler lui ou pas hein? Je pense pas hein. Je pense pas qu'il puisse voler hein. Pour se déplacer. Non, pour se déplacer. Ouais. Il est vraiment classe. J'ai bien envie d'utiliser lui et ça moi. Ouais, ça ferait terre, feu, et là ça ferait feu, ténèbres, et après on utilise autre chose. Du coup, ça fait beaucoup de feu en fait, donc on est un peu bloqué. Mais ils sont tellement résistants et tout, ça donne envie. Et il en faudrait plus en fait pour que ça soit eux qui détruisent le métal et tout ça. Je pense qu'ils sont mieux. Je pense pas que ça soit très très bien en fait. C'est seulement pour la Syrie. La Syrie, en fait, ils courent non-stop. Ça, c'est bien. Je crois. Enfin, je pense. Bon, j'en sais rien s'il faut la même chose. Là, c'est quoi? C'est 3 et 3. Là, c'est que 3. Puis du coup, on aurait du feu en fait. On aurait du feu à foison. Vous savez quoi? Moi, je vais y retourner. Hein. Je vais tout simplement y retourner. Je vais en capturer quelques-uns. Il me faut des sphères. Mais ouais, les reptiros, c'est le top. Vraiment le top. Et après, il faudrait peut-être des... le géant, là, qu'on a capturé, mais en normal, à la limite. Il a 2 et 2. Mais il faut vraiment des endroits qui sont complètement ouverts. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, parce que là, c'est vrai qu'il se bloque... ouais, c'est, je sais pas. Non, il est peut-être trop gros, en fait. Même la version normale est peut-être trop grosse. Mais ouais. Vraiment cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.